Mohamed Iateren, né le 12 février 2002 à Utrecht, aux Pays-Bas, est un footballeur néerlando-marocain évoluant au poste de milieu offensif au PSV Eindhoven en Eredivisie. Récemment, il a refusé de jouer pour les Lions de l'Atlas au profit de la sélection de Cruyff. Joueur du PSV, depuis 2010, il fera sa première apparition en équipe A en janvier 2019, à moins de 17 ans. Cette saison, il est majoritairement aligné dans l'axe du terrain, comme 8 ou 10, comptabilisant 4 buts et 7 passes clés. Iateren est un joueur très technique, capable ici de conserver le ballon ou de prendre de la vitesse balle au pied. Belle lucidité pour adresser un centre au second. Il est déjà très à l'aise dans les petits espaces, mais encore plus lorsqu'il fait parler sa vitesse. Il cherche fréquemment le duel pour se mettre en position de frappe. Son coup de rein est très efficace, notamment lorsqu'il est proche du but. Voilà une action que nous avons déjà analysée. Après un bel effort, Iateren lève la tête et adresse un très bon centre. Il fait preuve de beaucoup de lucidité sur cette action. Il a une très bonne vision du jeu, lui permettant de jouer dans le dos de la défense et donner le bon ballon au bon moment dans la bonne zone. À noter également un jeu de passe en touche intéressant, permettant de déstabiliser une défense rapidement. On dit souvent qu'un gaucher n'a pas de pied droit, mais cette remarque ne s'applique pas à Iateren, capable de belles passes comme de marquer de son pied faible. Iataran n'hésite pas à prendre sa chance et à tirer. Auteur de 4 buts en 28 matchs cette saison, il possède une très belle frappe du gauche.
Enfin, dès aujourd'hui et malgré son jeune âge, il est l'un des tireurs de coups de pied arrêtés de son équipe. Un exercice dans lequel il réussit plutôt bien. Il fera ainsi 3 passes décisives sur corner. Il tirera aussi ce joli coup franc, obligeant Onana à une belle détente. Le sang-froid qui le caractérise lui permet de marquer sur penalty. Pour résumer, Yataren est un joueur qui aime porter le ballon. Parfois un peu trop, mais rappelons qu'il a tout juste 18 ans. Milieu très technique mais également doté d'une qualité de passe remarquable, il semble posséder toutes les qualités qui feront de lui un des meilleurs milieux complets dans quelques années. Que ce soit au niveau des coups de pied arrêtés ou encore de sa qualité de frappe.